Ultimate Loser. Et four. Mais je pense vraiment, faudra vraiment essayer. C'était une bonne idée ce qu'avait dit CLB, c'est vraiment faire une sorte d'escalier dans l'arbre pour atteindre les. Pour créer plusieurs salles et puis surtout mettre des cabanes au sommet. C'est que pendant à chacun des moi c'est l'escalier qui me gêne. Peut-être faire des échelles sur l'extérieur de l'arbre. Mais oui, ça aussi ça marche. Ça peut être du moment un moyen aménagé à l'extérieur peut-être, mais pas creuser l'intérieur. Ça va être trop dur. L'intérieur, mais ouais, un petit escalier extérieur qui l'entoure comme ça. Oui. Bon, Spirit Wolf. Après, ça coûtera des ressources. Okay. La fin va vraiment nous faire défaut, je pense, pour la série. Non. Et genre de ressources. Non, donc là, par exemple, là, je t'ai donné tout ça parce que tu m'as passé du bois. Et après, tu devras me passer d'autres ressources pour que je t'enfile. Hein. C'est ma boucle. S'il y a un truc qui sera chiant dans ces grottes, c'est quand même que la surface. L'usine est... La surface est carrément plus haute que dans une map de base. Et que tu creuses loin d'ici. Et donc là, du coup, je suis en très mauvaise posture parce qu'il va falloir que je me nourrisse à la chair de zombard si je veux survivre. Parce que j'ai un peu moins de la moitié de ma vie et. Ce que j'ai fait pendant longtemps dans Minecraft. C'est quoi ? Hop. Oui. Me nourrir à la. À la chair de zombie. Ouais. Survivre hors de l'enfer. Allez. D'ailleurs, avec mon resource pack, ce sont des cerveaux de zombies maintenant. Ah oui. Ok, donc vous savez ce que je vais faire, je vais me la jouer swag, je vais me poser mon four dans la grotte, à côté de ma table de craft. Oh le fou. Je vais faire cuire mon fer, Thug Life, pour miner les mourottes. Tu vas le faire cuire. Non. J'en ai banni pour moins que ça. Oui. Bon allez, allons couper du bois. Maintenant je vais d'abord me faire un stuff cuir. Enfin, allons plutôt tronçonner du bois, hein, si tu veux mon avis. Ouais, allons décapiter du bois. Allons massacrer du bois. Hop, allez, je veux du cuir, s'il vous plaît. Cuir. Donc j'aimerais bien des vaches. Moustache. Cuir, cuir, cuir. Moustache. Ah, des vaches. Cuir, cuir. Oh. Je fais toujours gaffe à en laisser au moins deux, donc ça va aller. Allez, la série commence. J'espère juste que. Par contre, pour remonter, je prendrai mon mal en patience. Oh putain de merde. Oh, j'ai trouvé Jean-Paul. Soit je me tais. Jean-Paul Belmondo. Il s'était enfui. Ouais, il s'était enfui. Je pensais qu'il était mort, mais il s'est enfui et je l'ai retrouvé. Ah merde. Oh non, un squelette. Oh non, fais chier, je veux pas mourir maintenant. Je donc veux pas mourir. C'est bon, Jean-Paul. Oh non, mais il y en a deux en plus. Oh, bande de fils de pute. Si tu protèges et que tu me donnes tes coordonnées. Putain, mais je vais mourir. Tu peux pas venir. Tu vas crever instant si tu viens. Partage. Hein. Je te rappelle que j'ai déjà une épée en pierre, donc voilà. Je suis tombé dans un gros faux qui m'a laissé à 1,5 cœur, mec. Oui, mais j'ai des pioches, donc je creuse ton trou. Hein. Il est profond de. T'en as une aussi. Je creuse à côté de ton trou. Je ramène des gens. C'est excessivement profond. Tu verras. Je te dis que je sais ce que je fais. Ouais, j'ai les deux. Bon, ok, je suis en 3787, 5112, voilà. Très bien, la crevasse. Ok, seul défaut d'un cheval, c'est que je suis pas hyper pratique. Il y a un Enderman devant. Tu retrouves Falaval, vous savez. J'arrive. Hop, je monte jusqu'à chez moi, je fais Est-ce mon... Est-ce que je prends le risque de me crafter un plastron alors que j'ai ma barre de faim vraiment basse et qu'il me reste plus qu'un cœur et demi? Bah, prends pas de risque, reste planqué, j'arrive. Je pense qu'on va créer un système qui fait que... Essaye de commencer à remonter si t'es planqué, pour faire une sortie... Ouais, mais une sortie à laquelle je pourrais accéder plus facilement que si tu n'en fais si tu ne fais rien. Ouais, je te dirai où ça me ressort, mais bon, je le temps que j'arrive jusqu'à là où tu es, de toute façon. Je pense que je suis assez mal barré pour ça. Ça va. Ouais, des mois, faudrait mieux qu'on fasse une armure avant de descendre. Ouais, là, je vous ramène du fer dans la douleur et vraiment pas beaucoup en plus. Là, c'est là que j'allais. Les grosses sont impraticables. Autant on n'a pas de difficulté à trouver des minerais, mais en début de partie... Attends, je craft mon début de stuff cuir, j'ai 15 cuir, donc... Toi, bizarrement, ça m'a rarement fait plaisir de croiser un zombard. Bon, il a rien looté, forcément, vu que c'est un bâtard. Ouais, donc en gros, j'ai le pantalon et les tuniques. Voilà. Donc, en combien ? Attends, donc là, je suis en 3813... 5115, donc c'est par là. 3813, 5115. 3813, je suis pas loin, je suis en 13700 déjà, donc ça va aller. 13 000. 3700, pardon.
13 000. 13 000, oui, ça m'inquiète aussi. Ouais, bah, encore, je crois bien qu'il y a quelque chose au point 13 000 sur cette map. Hein. Quoique. Mais en tout cas, c'est possible, après c'est du 6000 par 6000 donc. Et ces coordonnées que je t'ai données, j'y bougerai pas. Je fais un truc en mode ascenseur de la mort. Enfin, oh là là. Pas vraiment, je fais surtout un escalier en fait. Une sorte d'escalier. Escalier qui en colimaçon. Escalier en colimaçon de la mort. Et je pose à la pioche en pierre parce que j'ai déjà bien galéré à me la faire cette pioche en fer, j'ai pas non plus à Ah, seul défaut se balader dans un cheval, dans un monde comme. Dans un truc comme ça avec plein de neige. Ok, une witch, parfait. J'ai débouché sur. Ah, merde! Oh mon dieu, ça s'est joué à rien. Il m'a envoyé une potion de dégâts. Si ça avait été du poison, je serais retrouvé un demi-coeur. Là, c'est un cœur. Je serais mort. Déjà mieux. Planque-toi, si tu descends sur ces coordonnées, tu vas tomber et tomber sur une witch. Essaye de contourner la grotte. Philippe, tu peux. Ouais, je vais essayer. Donc, 5100 combien? Donc là, non, c'est 5115. Ouh là là. Elles sont fourbes ces grottes. En Z. Hein. Et oui, les grottes sont particulièrement fourbes. Tiens, écris-les dans le chat d'ailleurs, comme ça on retrouvera Jean-Paul. Les miennes? Ouais, tes coordonnées. Comme ça on retrouvera Jean-Paul. Et pourquoi? Mais c'est parce que parce qu'il est précieux. Parce que si on s'éloigne un peu, comme ça on est sûr de le retrouver. Donc là je suis pas hyper loin. Ah d'accord, sur une grotte, moi je suis vraiment. Alors essaye de creuser en ligne, parce que du coup là t'es dans une montagne, t'es en plein en train de creuser en dessous d'une montagne, donc t'es pas prêt de sortir. Creuse plutôt dans ses coordonnées. Essaye de rejoindre ses coordonnées en venant et. Ah non, c'est en fait ça va être un peu loin au final. Donc 5000... j'essaye de rejoindre le 5104. Ok, fais ce que tu peux. Moi et je vais dans continuer une montagne, à creuser comme fait, ça, ouais. Au pire ouais bon bah c'est pas si grave que ça. Ce sera juste un peu plus long. Ouais. C'est quelle couche, la couche d'arrivée? Je vais te dire là je monte au sommet avec Jean-Paul. Hop, couche 64, putain. Oh, hop, Jean-Paul, tu bouges pas. 5115 c'est de ce côté. Ok, essayez de combler des trous avec des. Ah non c'est bon. T'es de l'autre côté de la montagne, donc ça va, donc 115. Ouais, c'est par là. C'est de l'autre, t'es bon, t'es dans le creux. T'es dans le creux de la vallée. Parfait. 5100. Ok, j'ai claqué une pioche, c'est pas très grave. Ah non, en fait, t'es dans le redébut de la deuxième montagne. Ouais, on s'en fout. Ouais. Ça fait qu'une différence de 10-15 blocs. Et la couche d'arrivée, donc. Excusez-moi, je vais faire ma ronde, par contre. Ok. Ah oui. Il y a des polaires. Quand ça m'a remonté en mode YOLO, je peux vous ramener un petit peu plus de fer que prévu. 5115, c'est exactement ici. Et 3811. Vous êtes toujours près de l'arbre ou vous êtes parti? Ah oui, mais c'est hyper loin. Près de l'arbre en plus, CLB, donc. Bah, je me suis pas énormément éloigné. 3011, hop, 3811, j'y suis. Donc là, je suis juste au-dessus de toi, normalement. Et donc la couche d'arrivée c'est 94 pardon. Hop. Je suis super heureux d'avoir autant de monde pour le premier épisode, mine de rien. C'est bien la première fois qu'on commence une saison de MVO avec autant de monde. La saison 1, on avait commencé à 2 avec Nayeul, qui n'est plus dans la team. La saison 2, on l'avait commencé avec Kiki35, qui n'est plus dans la team. Mais on était que deux, encore une fois. La saison 3, on a commencé avec toi et Fanax, c'est tout, donc 3. Ouais. Et là, on commence à combien? À 6. 6, c'est un record. C'est un 6, record, sachant que malheureusement. Je crois que d'ailleurs, c'est Fanax, le score maximum de MVO2. Le problème, c'est que j'ai pas de torche, du coup, ça va être chaud pour te rejoindre. Les seuls membres qui manquent, c'est Golem, c'est Fanax, c'est Eldaemon qui n'est pas dispo pendant ses vacances, malheureusement. Il est vraiment très 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 peu dispo maintenant Eldaemon depuis cette année. Oh mais moi ce qui m'arrange c'est que Golem soit peu dispo par contre. Alors ça par contre ça m'arrange. Et il va pas y avoir de l'animosité dans la team non plus. Enfin, je veux dire, Golem il n'a pas de skill certes, mais de toute façon quand Zeris No Learning Curve 2 sortira, tu seras bien obligé de faire une vidéo avec moi et Golem. Hein. C'est dans ton contrat. Non oui. Je l'ai jamais promis. Il n'a. Oui, non je mais je m'en pas fous qu'il moi. Y avait une deuxième map.
Ben moi je l'ai appris quand les types m'ont répondu en anglais sur le forum de la map quand j'aurais posté notre vidéo. Jean-Paul, tu te promènes où? Ça se trouve, elle est déjà sortie la map et je me suis pas assez renseigné. Oh, je suis à la couche 76. Ouais. MDR. Ouais, mais t'arrives bientôt 90 à peu près. Vu que un squelette que j'ai pas vu arriver. C'est la nuit dehors? Oh, ouais. Oh, tiens, du bois. Mais par contre, comme t'es. Si c'est du bois, tu dois être juste dans le tronc de l'arbre, mais en dessous. Mais assez loin quand même. Et ce que je veux dire, c'est que le tronc de l'arbre, il doit s'étendre bien en profondeur et il y a un squelette qui me snipe! Okay. Mais littéralement, je suis dans une montagne, le squelette, c'est sniper. Où j'ai enfin réussi à le tuer, ce ninja. Je pouvais rien lui faire, il m'a mis à deux cœurs. Il m'a mis à deux cœurs. Oh tiens, de la terre. J'ai mis à terre. Oh, de la neige, j'aime encore plus la putain. J'aime Paul, tu te balades où, putain? Je sais que c'est dans les environs. Oh, mec, c'est la nuit, putain. J'ai qu'un cœur et qu'un. T'es juste à côté de l'arbre. T'es oui, juste à côté de l'arbre. Y'a pas de. Jump Paul, c'est toi là-bas? Merde. Oui, c'est Jump Paul. J'ai creusé un. J'ai bridgé avec un minerai de fer, champion du monde. Bravo. Oh, bravo. Il faut lui donner un Oscar. Putain, j'y suis. Je suis safe. Ah, vous allez pouvoir voir Jump Paul. Parce okay, que j'arrive avec. Miner, voici de la cobble, énormément de fer que je vais mettre immédiatement à cuire. Tiens, je vais remplacer le dropper par un four d'ailleurs. Et Selby, j'ai Jean-Paul à côté de moi. Tu peux leur montrer. Jean-Paul, en fait. Jean-Paul, ça marche aussi. Non, mais Jean-Paul. Qu'est-ce que t'as contre ceux qui ont un accent, hein? Jean-Paul. Est-ce qu'il y a de la bouffe quelque part? Par pitié. Regarde, je suis là. Ah, le. Bonjour, non. Le Golden Tinjoff. J'adore ce skin. Il déchire. C'est vrai qu'il est bien. Ouais, il a un bon look. Bon, là, du coup, on voit pas trop vu qu'il a une. Putain d'armure. Tu. Oula. C'était très chelou. Je sais pas ce que. Mon dieu. Mais s'il me met de la viande devant le nez, j'ai plus qu'un demi-gigot, mec. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec cette putain, viande? Putain, mais full. Full. À boule, ah, à boule cette bouffe. Mon dieu. File cette bouffe. Et attention, tu vas te faire buter. Ce sera bien fait. Attends, un jour, faudra regarder combien je suis un demi-cœur et j'ai plus aucun gigot. Super. T'as au moins t'en perdras pas plus. Ah. Jump Paul. Ah okay. J'ai récupéré. Oh là là. Je voulais te donner des steaks et LB, mais Jump Paul il m'a tué. Mais re-bonjour. Excusez-moi. Pour l'AFK. Se dépouiller. Tu me dois du fer. Pour avoir bouffé. Pour avoir bouffé mes steaks. Tiens, je l'ai fait payer. Fer. T'as tout ramassé? Et si tu veux cadeau parce que tu. Voilà, cadeau. Trop gentil. Et Jump Paul, il est où? T'as descendu entièrement? Jean-Paul, il s'est encore barré. Il est encore chuté. Je suis descendu un peu. Ah, d'accord. Ouais, je t'en. Il a tué. Vas-y, viens. Ok, Jean-Paul m'a buté définitivement. Jump Paul, le méchant. Là, c'est un peu terrifiant. Il a pris de son maître. Normal. Bon, moi, je. Oui, t'as dépouillé la grotte. Je retourne chez moi. Oh, alléluia, du charbon. Je vais faire un petit truc. Ah, juste une chose. Si putain. Vous trouvez des herbes, alors c'est un truc normalement qu'on prend son temps à faire, mais si vous êtes dans la forêt et que vous trouvez des herbes, cassez-les à tout prix. C'est votre seul moyen d'avoir des graines et donc du blé. Oui, oh, j'en ai eu. J'avais une herbe paumée au milieu de nulle part sur un seul bloc de terre. Et alléluia. Et alléluia, une graine. Alléluia. Alléluia, il y a une graine. Ah, wow, mais moi je trouve des filons de 1 de fer. Ah, bah super, avec 2 moi aussi. Avec 2 de fer, je vais aller loin. Attends, tu m'as donné. J'ai pas eu le fer, j'ai pas récupéré. Comment ça te. Je peux. Est-ce que je suis partageur ou est-ce que je ne suis pas partageur? Oulala. Je t'ai donné de la bouffe. Dans le jeu, je vais sûrement. Non, parce que là j'ai moyen de me mettre sous le fer, mais je suis le seul à pouvoir le faire. Moi après, j'ai déjà un plastron et un plastron et des jambières en cuir.
Donc je me mets full fer. Absolument pas, je suis complètement à poil. Tiens, j'aurais moyen aussi de faire une enclume. Mais non, moi je veux juste que tu fasses ça. Est-ce qu'il y a de la glace normale? Parce que je vois beaucoup de paquets d'ice, mais je trouve pas ça. Ça vient des mains, je trouve une belle glace normale. Je crois que attends, je suis parti. Je suis au-dessus de la faille, tu vois. Enfin, je me suis avancé un petit peu. Oh, c'est LB, c'est toujours au-dessus de la faille, mais il y a pas mal de. Le truc le plus chiant qu'on parlait en même temps. Donc, si tu as minerai, t'as 15. Mais ouais, parce que tu vois, là, pas à l'heure, tu peux à pas en même temps, les autres ils comprennent pas. LB, est-ce que tu as de quoi crafter un seau? Oui. Oui, passe-moi, je vais aller au bord de mer et chercher de l'eau. Ok, je vais crafter en deux si possible. Ok, donc je me mets d'abord full fer. Ça te dérange pas. Si on a une pelle overcheatée, je pense qu'avec tout le gravel que je viens d'avoir, on pourra se faire des flèches si on réussit à récolter les silex. Non, le silex, ça va pas être le plus dur, ça va être les poules et le plus dur. Il y en a un bon paquet, mais il faut de l'eau. Ce sera toujours ça, on pourra se faire des briquets à l'infini. De l'eau. Des briquets, ouais. briquets. Voilà, briquets. Deux seaux, voilà, mais maintenant on a plus du tout de fer. Ouais, bah passe-les-moi les deux seaux. T'es stylé avec le bon pack steampunk, hein, avec l'armure en fer. Moi, mon ouais. pack, c'est... Oui, moi, je les ai vus, elles sont stylées, les armures de steampunk. Bon, ouais. Moi... Avec alors, dépêche, ne t'inquiète pas, si je les tue, c'est LB, je sais où il y en a plein. Falafel, il est remort. Ah non, là, il est toujours vivant. Ouais, il est AFK, lui aussi. De qui? Il va revenir, mais... Trop de gens qui deviennent AFK, c'est n'importe quoi. Ouais, mais je sais pas. Moi, j'étais parti manger. Hop, là, il y a des vaches, donc je suis dessus. Allez, hop, cuir. Je veux être full cuir avant d'aller en bord de mer parce que je risque de devoir revenir de nuit. Donc. Attends, genre, je t'apporte masse de charbon. Le charbon, c'est pas le problème, j'ai du charbon de bois, mais tu peux m'en apporter quand même, c'est le fer qui m'intéresse. C'est bizarre, je trouve pas beaucoup de creeper dans les grottes. Le charbon, je pense que là, t'auras plus besoin de bois. Oh, moi, j'en trouve assez. Il manque plus que 4 cuirs et c'est parfait. Il y a un truc que j'ai fait dans cette série, c'est que pour pouvoir facilement creuser dans l'arbre qui est quand même énorme, et pour pouvoir tout aussi facilement, comment dire, se défaire de la corvée du coupage de bois en début de partie, bah j'ai mis une hache sympathique. Tu sais où je suis, hein, tu sais où se trouve ma base, mon début une de hache cheatée plutôt. Hein. D'ailleurs, je vais complètement craquer. Plus de bois, ouais, moi, elle est craquée. Pense... Bah, elle peut pas être plus craquée que ça, sauf si elle avait de l'attaque damage, mais bon là. Ce sera ou de l'efficience 600. Elle a de l'efficience 666. Ah oui, en plus t'as mis un 666, t'es gentil. Ouais. Si tu regardes la commande de Give, il y a du 666, mais bon, j'ai mis un flag. C'est normal que je trouve un endroit avec de la terre en plein milieu d'une grotte. C'est normal, oui, c'est. C'est tout à fait normal, ça a toujours été comme ça. C'est normal, mais c'est spécial. C'est toujours été comme ça. Surtout que t'as 3 creepers dessus. Ah, bah c'est d'accord, c'est... en fait, c'est pas que c'est normal, c'est juste des creepers qui ont établi leur camp de base. Il devient intelligent. T'imagines la petite musique militaire là. Ouais, c'est énorme. D'ailleurs, je suis curieux de savoir quelle musique j'ai mis en début de vidéo au moment de la régénération de Tinjov. Dites-le moi en commentaire, parce que pour l'instant, je sais pas. Mais sauf que quand vous aurez l'occasion de me le dire en commentaire, je le saurai. Donc non, arrêtez de taper ce commentaire-là. Arrêtez d'écouter CLB, tout simplement. Tout simplement. Tiens, au fait, donc, j'y pense, ça fait peut-être une heure qu'on tourne. Donc bah du coup, ça doit faire deux ou trois épisodes. On va arrêter le record d'ici pour l'instant. Pour l'épisode 1, peut-être 2 ou 3. Donc, sur 7, ce, je 5, vous remercie. 4, 7, ou 8, 10, 13. Donc, je créerai mon dossier suivant en fonction de ce qu'on a tourné. Donc, sur ce, je vous remercie du visionnage et je vous dis au revoir. C'était CLB.